Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle semaine, parce qu'on s'entend-tu qu'aujourd'hui, là, l'hiver a pris ses droits. Mais c'est pas grave, écoute, on n'a pas eu jusqu'à date, fait que. On est des Québécois, fait qu'on, c'est certain qu'on va s'en sortir, hein, mais on s'habitue vite, hein, au bonheur. Écoute, j'ai quand même pris le temps, là, malgré le pelletage, de regarder pour toi, là. Chez les épiciers qu'on aime tous, bien sûr, les IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C, entre le 6 et le 12 février, déjà le 6-12 février. Hey, ça va-tu assez vite? Merci. Écoute, j'ai regardé ça, là, puis j'ai fait toute une liste, là, vraiment exhaustive, là, de tous les vrais rabais de cette semaine dans ces épiceries-là. T'es juste allé voir là, en tant que membre VIP, là, la liste, elle t'attend, tout est super. Là, tu vas voir, là, t'as les légumes, t'as les savons, t'as énormément là, de vrais rabais là, à profiter. La petite vidéo, ben, c'est certain que je veux t'inciter à aller voir les circulaires, hein, ceux qui ne sont pas membres VIP, puis aussi à te montrer les protéines en vedette cette semaine. Donc, commençons tout de suite avec IGA. Écoute, chez IGA, ben, un peu partout cette semaine, la grande vedette, c'est le bœuf haché mi-mai. Okay, ça commence chez IGA à 2,79 la livre, ou si tu préfères 6,15 le kilo pour du mi-mai. Hein, c'est quand même pas cher, en bas de 3 piastres, là, mais quand même, j'ai déjà vu moins cher que ça, mais 2,79 cette semaine, c'est le meilleur prix pour le bœuf haché mi-maigre. Puis tu sais qu'on peut faire plein de choses avec ça, hein? Ça c'est certain. Donc c'est déjà que ça se passe si tu as le vrai bœuf haché mi-maigre. Aussi, chez IGA cette semaine, tu as la bavette tout marinée. Il y a plusieurs petites recettes, tu vois, au vin. En tout cas, je t'ai nommé peut-être pour rien, mais check ça là. C'est en plus la coupe vieillie, là, tu sais, c'est la bavette, mais Sterling Silver, c'est dans le fond, c'est ce qu'ils ont, c'est chez IGA, c'est juste chez IGA que tu peux avoir ça, cette sorte-là, en fait, c'est que c'est vieilli dans une machine pendant 21 jours, puis ça fait en sorte que le bœuf qui rentre là-dedans, mais quand il ressort, il est encore plus tendre. Donc, ça donne le goût. Puis, il est en super spécial, là, à 10,99 la livre, si tu préfères, 24 et 23 le kilo. Je t'avouerai, moi, personnellement, que j'ai jamais réussi à faire de la bavette, là, pour dire, là, super débile, mais je sais qu'il y a une façon d'y arriver à le faire. Il faut que je m'exerce encore, là. Je ne suis pas encore un professionnel, mais c'est certain, je sais, je t'achète un popet comme toi, puis moi, on est juste des parents, là. Mais quand même, on essaie de faire la bouffe, on essaie de s'améliorer, puis on essaie des nouvelles affaires, des fois. Puis ça, la bavette, je ne l'ai pas encore maîtrisée. Okay? Mais je sais que c'est assez cher, normalement, c'est pour ça que je n'en ai jamais. Mais là, à ce prix-là, peut-être ça vaut la peine peut-être d'essayer quelque chose, là, quelque chose de nouveau, tu sais, dans le fond. Fait que c'est chez IGA pour ça. Aussi, chez IGA, ben écoute, les crevettes sauvages de 340 grammes, le sac, pour 6,99. Ça, c'est des 20-40. Donc, tu as des grosses puis des moins grosses. Le 40 étant les plus petites, les 20 étant les plus grosses. Donc, c'est un mélange de tout ça. Parfait pour faire, par exemple, mon petit sauté. T'as vu, là, hein, crevettes et choux de Bruxelles, ma petite recette, ça a l'air vraiment, écoute, c'est super bon, cette recette-là. Facile à faire, là, t'as vu, hein, va le voir, ma recette, parce que, écoute, d'un coup, les légumes sont coupés, là, 20-25 minutes, puis, écoute, t'as un souper, puis super santé, puis bon, puis même au réchaud, là, c'est vraiment, c'est surprenant. Le lendemain, il m'en est resté, puis. Je l'ai mis dans le four micro-ondes, tu y vas à coup de 15 secondes, là, tu brasses 15 secondes, tu vas juste le faire réchauffer, il est déjà cuit. Puis c'était excessivement bon, franchement, là. C'était aussi bon quasiment que quand je l'avais fait la veille. Donc, quand tu as essayé, ça a réessayé, puis à faire souvent. Surtout quand on a des spéciales pour les faire, ça c'est super. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi. Le bœuf haché mi-maigre, ben oui, je pense qu'ils se sont parlé parce que, écoute, il est quasiment partout. Mais lui, à 2,88, hein? 2,79 chez IGA, 2,88 chez Maxi ou 6,35 le kilo si tu préfères pour le bœuf haché mi-maigre. C'est sûr que c'est un passe-partout qui ne coûte pas cher le bœuf haché, là. Tellement d'affaires qu'on peut faire avec ça qu'on veut toujours en avoir. Puis, tu sais, t'as pas besoin de savoir cuisiner pour cuisiner ça quasiment. Tu peux faire des boulettes, tu peux faire des orzos, tu peux faire des macaroni chinois, tu peux faire de la sauce à spaghetti à la viande. Écoute, il y a tellement d'affaires. Fait qu'écoute, pour ce qui est du bœuf haché mi-maigre, c'est cette semaine, là, il y en a partout. Donc, aussi chez Maxi. Aussi chez Maxi, écoute, le filet de saumon frais. Ah oh, là, par exemple, là, vraiment pas cher. 7,94 la livre, ou si tu préfères 17,50 le kilo. Habituellement, à moins 19,82, là,
Je suis tout content, là, du bon filet mignon, pas filet mignon, mais du bon filet de saumon, avec un bon petit riz, puis un bon petit légume avec ça, là. C'est débile, vraiment, là, moi, c'est facile, tellement facile. Tu sais, c'est déjà sur la peau, hein, moi, je garde la peau, parce que, dans le fond, c'est un gras. Je la mange pas, par exemple, je suis pas rendu là, parce que je sais qu'il y en a qui font griller la peau, puis c'est un mets, là, c'est recherché, là, mais moi, je suis pas rendu à manger la peau encore. À moins qu'avoir une recette, quelque chose qui vient être croustillant avec du sirop d'érable, quelque chose de cochon. Mais sinon, normalement, dans la semaine, je m'en sers simplement pour faire cuire. Donc, je le mets sur la peau à 350, OK, pendant 23 minutes à peu près. Puis, je mets des moutardes de Dijon dessus avec une cuillère, là, je mets une moutarde de Dijon, seul poivre là-dessus, mets ça dans le four, toi, à 350 pendant 23 minutes, puis je sors, c'est encore juteux, là. Ah! C'est bon, c'est bon. Tellement santé. Hein, du saumon, là, du poisson en général, c'est super santé. Puis plus qu'il est rouge, plus qu'il y a des oméga-3 dedans. Fait que c'est sûr que moi, j'aime bien ça, là. Puis on sent bien, on dirait qu'il y a encore moins chanté. Hein, je sais pas si c'est dans la tête, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas juste dans la tête, parce que ça paraît, écoute, dans l'énergie, dans ce qu'on fait, tu sais, la fatigue qu'on peut ressentir ou non, la force qu'on peut ressentir. Donc. Puis les oméga-3, c'est un gros. Pour le cerveau. Le cerveau a absolument besoin de ce gras-là, puis on ne le retrouve pas nulle part. T'sais, on le retrouve dans quelques éléments, là, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir absolument si on veut rester éveillé. Écoute, c'est chez Maxi pour le saumon cette semaine, c'est là qu'il est le moins cher, ça c'est sûr. Aussi, écoute, on reste dans le petit poisson, là, c'est le contraire. Là. On parle du prédateur, parce que le saumon dans la chaîne alimentaire auprès du poisson, là, il est en haut complètement. Tandis que la sardine, ça c'est vraiment la base, là. Okay? Les poissons mangent des petits poissons là. Fait que c'est. Il n'y a pas de métaux dans ces petits poissons-là. Il y a plein d'oméga-3 là-dedans aussi. Puis c'est vraiment pas cher, là, parce que une sardine, 125 grammes pour 88 cents. 88 cents! Il y en a, oh, la sardine, les petits os, ouais, c'est ça, il y a un petit peu de croquant un peu, mais je te dis, là, c'est très bon. Ça n'enlève pas ça, là. Tu manges ça. Dans une salade, là. Ça passe super bien. Parce que dans le fond, on peut se mettre des petites noix. Hein? On met des petites noix, du croquant. Fait qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est croquant. C'est-tu la sardine qui est croquant ou c'est des petites noix? Fait que, tu sais, tu mets avec ça, une petite canneberge, des petits fruits séchés, de la salade avec une boîte de sardines que tu coupes en petits morceaux puis tu mets là-dedans. Là. Puis il y en a. Les sardines, il y en a. Bon, c'est sûr. Alors, tu as celui à 125 grammes là, qui est juste dans l'eau. Hein? C'est super. Puis t'en as aussi qui sont comme marinés dans l'huile citron, des affaires comme ça, ou piquant, tu sais. Puis une canne comme ça, cette fin de dîner, là, vraiment super. Puis je te le conseille parce que c'est super bon pour la santé, super. Puis ça coûte pas cher, ça coûte rien. 88 cents, donne-toi. Puis la salade, tu t'en trouves avec une salade de 2 piastres, 2 piastres et demi, puis t'as un super de dîner, super santé, là, économique. Écoute, tu sais. C'est chez Maxi que ça se passe. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Continuons tout de suite avec Métro. Écoute, chez Métro, les hauts de cuisse, tout désossé, tout. Super, là, pas d'os, pas de peau, pas rien, prêt à mariner ou à cuire sur une petite grillade. Ou, tu sais, là. Vraiment, c'est une belle petite protéine, ça. Cette semaine, écoute, à 3,99 la livre ou si tu préfères 8,80 le kilo. On en veut tout le temps, ça c'est sûr. Puis il n'avait pas à se poser. Fait que cette semaine, on va en profiter, ça c'est sûr. Aussi, chez Métro, ben écoute, le bœuf haché mi-maigre, hein, je te dis qu'ils ont posé le mot, à 2,99 cette fois-ci, la livre, ou si tu préfères 6,59 le kilo, écoute. Là, tu l'as à 2,79 chez GA, 2,88 chez Maxi, 2,99 chez Métro. Puis là, tu es ailleurs, il n'y a pas d'autre. Donc, si c'est sur les 5, il y en a 3, là, puis. Tu vois, ça se tient entre 2,79 et 2,99. C'est tout du mi-maigre en passant. Il n'y a pas de maigre ou de l'extra maigre cette semaine. Oublie ça. C'est du mi-maigre. Tu veux, on ne va pas te t'avoir. aussi, chez Métro, ben écoute, ah, oh, ça là, le rôti de faux filet. T'sais, on a souvent le contre-filet, là, notamment spécial. C'est très bon, c'est sûr, mais le faux filet, là, on parle d'une coche supplémentaire. Là. Ça, c'est vraiment là, beaucoup plus goûteux, hein, que le contre-filet plus aussi tendre. C'est plus tendre, plus goûteux. C'est tout plus cher aussi, au prix régulier, là. Même en spécial, mais tu quand même en spécial à 8,99 la livre, ou si tu préfères 19,82 le kilo. Pour le vrai faux filet, là, ça, là, c'est vraiment, c'est rare qu'on l'a, le faux filet comme ça. Okay, je te conseille, là, tu peux te faire des beaux steaks après ça, l'épaisseur que tu veux. C'est vraiment quelque chose que tu peux te faire avec ça. Tu sais,
On appelle ça au jus, là, tu sais, steak au jus, là. Ça, c'est délicieux aussi, là. Ça vient super tendre. C'est déjà très tendre. Tu peux manger ça saignant. Tch, tch. Puis merci, bonsoir, mange ça. Puis il y a plein, plein, plein de fer, de protéines là-dedans. Ça vaut vraiment la peine, pas ce prix-là, là. En tout cas, cette semaine, je sais pas, peut-être qu'ils vont me payer ça cette semaine. Un vrai steak, les cœurs, hein? Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Metro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, hey, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas vu leur outil de palette. Leur outil de palette, puis là, dans ces temps comme aujourd'hui, là, hein, c'est-tu le fun, là? Tu rentres de pelleter, là. Là, ça sent, là, leur outil de palette avec les navets, les carottes, les petites patates, là, cette odeur-là, là, réconfortante, un plat tellement réconfortant. À 3,99 la livre, tu peux faire 8,80 le kilo. Ça, c'est le prix, normalement. On l'a vu, là, c'est sûr, super prix à 3,44 à un moment donné. Mais c'est assez rare, là. Normalement, quand tu as un spécial, c'est 3,99. Puis ça vaut le double, de toute façon. C'est un très bon spécial. C'est de bon prix, hein, pour un rôti de palette, là. C'est la seule place qu'il a, d'ailleurs, cette semaine, c'est chez Provigo. Aussi, chez Provigo, ben là, tu as les hauts de cuisse, comme chez Métro. Mais là, ils donnent aussi la poitrine. Toutes des os aussi, pas d'os, pas rien. C'est la poitrine, c'est sûr qu'elle de top, là, parce que c'est super maigre. C'est plus maigre, bien sûr, que le haut de cuisse, tellement que ça a une texture différente, ça a un goût différent, même si ça vient de la même bête, là. C'est complètement différent. C'est ça. Tu fais les mêmes plats avec ça, tu vas me dire. Mais quand même, ça donne un final que c'est différent. Tu pourrais manger du poulet de toute façon toute la semaine, mais ça serait des repas différents à chaque jour. C'est pas. C'est certain. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec une poitrine de poulet, Colin, c'est pas de bon sens. Mais c'est chez. Il y en a juste cette semaine chez Provigo, la poitrine. Mais eux autres, comme je te dis, ils offrent aussi le haut. Au même prix, finalement, que chez Metro. À 3,99 l'allée ou 8,80 le kilo. Là, tu sais où se trouve le poulet. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le saumon fumé Nanook. La compagnie, tu connais plusieurs, là, le saumon fumé, il y en a plein de sortes. Le Nanook, chez Ganabek, qui l'aime, Canuck, Nanook, bon. 300 grammes pour 13$, 12,99$. Hein, oui, 20$, 13$, donc c'était une belle économie. Puis ça, c'est sûr que c'est de luxe, là, on s'entend, là. Mais quand même, à ce prix-là, c'est pas trop dispendieux. À 20$, là, c'est vraiment de luxe. Mais à 13$, en bas, les 10$, des fois, normalement, je la jette, là, quand elle tombe en spécial, à 9,99$ ou 10,99$. Mais là, si tu en veux, cette semaine, ben quand même, c'est un bon prix à 12,99$, là, ça a bien du bon sens. Puis ça, là, tu sais, hein, c'est surgelé. C'est tellement mince, tu sors ça 10 minutes, puis tu passes en dessous de l'eau frette, là. Hein? Puis ça vient de finir. Après ça, tu l'ouvres le paquet, tu étales ça sur de la salade, par exemple, puis tu as un petit souper, ou tu peux te faire ça en entrée. Tu peux faire des petits rouleaux avec ça, la crème, ça, c'est écœurant. D'ailleurs, ça, une de mes prochaines recettes que je vais te montrer, ça va être mes petits rouleaux de saumon à la crème. Ça, là, c'est débile. Il y a une petite technique, là. Quand tu as compris ça, là, tu dis, ah, on peut faire ça de même. Oui. Fait que, écoute, c'est avec du saumon fumé que ça se passe. Puis c'est chez Provigo, ça l'est là. Fait que, écoute, tu sais, si tu veux du saumon fumé, ben, ça va être chez Provigo cette semaine. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo. Continuons tout de suite et finalement avec Super C. Écoute, chez Super C, cette semaine, écoute, tu vas voir la liste, là, il y a plein de bons légumes, des fruits. Vraiment, chez Super C, c'est super pour ça, là. Écoute, tu iras voir la liste. Mais pour les protéines, ben, tu as le thon. Hein, le thon en canne, là, pour 1$. 170 grammes. Hein, ça, c'est super, ça, parce que le thon, c'est sûr que. Il y a des gens qui préfèrent le thon, bien sûr, à la sardine. Mais c'est deux affaires différentes, là, quand même, au goût, à la texture. Mais c'est quand même où ça ressemble, c'est que c'est très bon pour la santé. Puis c'est vraiment économique. Parce que là, une canne comme ça, à 1$, ça vaut 2,39$ à peu près. Donc à 1$, hein, belle économie. Une canne, ça te fait un dîner. Ça peut te faire un souper dans une petite sauce blanche que tu mets dans un petit vol au vent. Ni vu ni connu. Ça te prend le temps de faire ta petite sauce là, Saint-Hubert à la King, par exemple. Ou tu veux le faire toi-même avec du lait, de la farine et du beurre. Mais c'est plus gras. C'est sûr que moi, dans la semaine, surtout, là, pour des petites affaires comme ça, une petite sauce Saint-Hubert à la King, là, ça fait amplement la job. C'est bon, puis ça coûte rien. C'est juste du lait. Hein? Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là, c'est super. Puis ça va très bien avec le poulet, avec le thon comme ça, ou hein, si tu veux même du saumon. Mais saumon, t'es trop bon pour mettre une sauce. Là. En tout cas, écoute, le thon.
C'est super. Dans une salade, là, pour l'heure du lunch, là, c'est idéal à ce prix-là. Je te le conseille fortement. Puis c'est chez Super C qu'il l'a. Ou si chez Super C, ben, tu as le poulet entier, mais en duo. 12 piastres. Hein? Tu le sais, tu le répètes, tu le répètes à chaque semaine. C'est sûr qu'en duo comme ça, 12 piastres, il faut que ça pèse au moins tout ça, là, au moins 3 kilos. Parce que 3 kilos fois 4 piastres, ça donne 12. Hein? Donc, puis quand il y a des spéciales, ben, c'est à peu près 4 piastres le kilo, là, un poulet. Donc, c'est pour ça que tu ne veux pas payer en haut de ça. Hein? Surtout que tu en achètes deux, puis surtout, des fois, si en mettant même sa photo, on le voit, il y en a un qui est peut-être le plus gros que l'autre, là, tu sais. J'ai ça. Moi, je veux qu'il soit parfait, je veux qu'il soit identique, parce que la cuisson, elle, je veux pas avoir deux cuissons. Puis, s'ils sont plus petits que l'autre, elle veut pas, ben, il y en a un qui est plus cuit ou l'autre qui est moins cuit, ben, ça dépend. En tout cas, l'important, c'est que tu essaies de les prendre qui se ressemblent, qui sont similaires, puis le plus gros possible. Fait que pour le savoir, parce qu'ils ne marquent pas dessus, hein, ils marquent juste 12 piastres. Des fois, ils sont chétifs, là, tu regardes ça, ils sont déjà c'est vraiment, ils ont pogné, je sais pas où, là, mais ils n'ont pas eu le temps d'engraisser, ben, ben. Fait que c'est pour ça qu'ils en mettent deux, mais il faut que ça vaille la peine aussi. À moins que tu veux faire des soupes, hein, ah, ça, c'est une autre affaire, là. Mais en tout cas, regarde ça, là, va les peser dans les fruits et légumes, il y a toujours une balance quelque part dans une épicerie. C'est pas le temps de 3 ou 4, là. Tu vas peser ça, tu dis, hey, là, ça pèse tout, au moins 2 kilos, cette affaire-là. Puis ça pèse 4 kilos, puis 4 kilos et demi, ben là, tabarnouche, là, t'as une vraie économie, c'est super. Ben, écoute, pour le poulet en entier, là, c'est chez Super C, là, en duo, que tu l'as à 12 piastres. C'est super. Aussi, chez Super C, ben, t'as le porc haché maigre. Ben, ça, là, parfait pour faire les wontons. Hein? Super wontons. Je l'ai pas refait d'ailleurs, mes wontons. J'en ai plus, là. Ça fait une couple de semaines que je n'en ai pas mangé. Ça commence à me tenter, là. Surtout que je me prépare un bon bouillon de poulet, là, avec ça, là. C'est super. Fait que, écoute, à 1,99 la livre, ou si tu préfères 4,39 le kilo pour du porc haché maigre. Super. Tu peux mélanger ça aussi avec la viande hachée, là, mi-maigre, le bœuf haché qu'on a partout en spécial cette semaine, avec le porc haché. Tu te fais des petites boulettes avec ça. C'est super. Il est moins gras que peut-être t'as le gras dans le fond dans ton bœuf. Vu qu'il est maigre, lui, bon, tu sais. Fait que tu peux te faire des mix avec des épices, des herbes. Là, ça peut être débile, c'est sûr. Ah, écoute, va voir ça. Hein. Va voir ma liste. Ça vaut la peine parce que je travaille fort, moi, là, pour te faire une liste là, complète. Puis t'as entre 70 et 90 rabais à chaque semaine que je t'offre. Puis que ça arrive toujours à passer une journée avant que ça commence pour que tu puisses te préparer vraiment à savoir où tu t'en vas. Fait qu'écoute, fait que c'est ça qui est ça pour la liste de papa de cette semaine. Écoute, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.